Alors, ce livre tente de montrer à travers différents chapitres le visage humain de l'administration, à travers l'étude donc des carrières, des études des grands commis, à travers la vénalité des offices, à travers les liens familiaux qui les unissaient, mais également à travers leur cadre matériel et leur vie intellectuelle pour essayer de rendre à ces gens un visage humain, parce que la plupart du temps, les institutions centrales sont connues pour leur rôle formel et non pas à travers les hommes qui les ont fait vivre.